Est-ce que l'œuf de Yoni est un sextoy? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Peggy, la fondatrice de la boutique des œufs de Yoni et également l'auteur du livre Les œufs de Yoni pour révéler son potentiel féminin aux éditions Trédaniel. Alors les œufs de Yoni, pour commencer, ça ressemble à ça. Donc c'est une pierre en forme d'œuf que la femme vient mettre à l'intérieur de son vagin. Et donc quand on me pose la question est-ce que les œufs de Yoni sont un sextoy, j'ai l'habitude de répondre par oui et par non. Pour moi, à la base, l'œuf de Yoni, c'est vraiment une pratique pour se découvrir soi-même. C'est-à-dire que c'est au-delà d'un sextoy, ça va beaucoup plus loin, ça va permettre de se découvrir et d'accepter qui on est. Donc c'est pour moi un outil de développement personnel. Et ensuite, effectivement, ça peut être utilisé comme un sextoy, que ce soit toute seule ou avec son amoureux. Donc c'est vraiment à chacun de vivre l'œuf comme on en a envie. Parfois, on peut avoir envie de l'utiliser comme un œuf qui va nous aider à mieux nous connaître, à être plus ancré, à prendre des décisions, à avancer, à s'apporter de l'amour à soi-même. Donc vraiment de le prendre comme un outil de développement personnel. Et puis parfois on va juste avoir envie de faire du sexe avec lui et tout va bien aussi. Donc vraiment aller expérimenter, explorer ce qui est bon pour vous. Et puis en fonction aussi des périodes, l'œuf n'aura pas la même fonction. Donc voilà, donc tout est libre. Laissez-vous aller à votre intuition et à vos envies. Si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.